Et salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Planète Zoo. On revient sur le biodôme où dans le précédent épisode j'avais complètement terminé l'enclos des bonobos et aujourd'hui on va travailler sur la petite zone qui se trouve en face de cet habitat. À la base je ne comptais pas forcément y mettre quelque chose mais je me suis rendu compte que j'avais tout de même de l'espace et donc pourquoi pas l'exploiter sachant que le biodôme, ce sera quand même un bâtiment plutôt compact et il va falloir que je casse beaucoup de choses à l'intérieur. Donc dans cette petite zone, on va tout simplement y mettre des vivariums. À la base, je comptais mettre un shop avec des tables de pique-nique, histoire d'avoir un petit coin de restauration. Mais je me suis rendu compte que c'était pas forcément le meilleur endroit et du coup, je suis parti sur une zone de vivarium. A savoir que cette vidéo a été enregistrée bien avant la mise à jour de Planet Zoo, ce qui fait que je n'ai pas encore les gradins. Et vous allez voir que je vais créer des gradins en béton en face de l'enclos des bonobos. Mais par la suite, ils seront bien évidemment changés par des gradins réels pour qu'ils puissent tout simplement être utilisés. Vous allez voir aussi à la fin dans les cinématiques que j'ai travaillé le hall d'entrée qui permet d'accéder au premier habitat des bonobos. Donc le hall est thématisé sur une ambiance tropicale pour donner un peu le ton du premier habitat des bonobos qui est sur un biome tropical aussi. Cet environnement va se suivre au fil des habitats et chaque fois que je changerai de biome, je ferai une transition avec un hall qui sera thématisé dans le prochain biome. Par exemple, une fois que j'ai fini le biome tropical, si je passe sur un biome désert, le hall qui fera la jonction entre le biome tropical et le biome désert sera thématisé sur le biome désert. Donc vous verrez tout ça dans les cinématiques de fin, donc c'est quelque chose que j'ai fait en off pour éviter tout simplement que la vidéo dure beaucoup trop longtemps. Dans le prochain épisode, on va intégrer les loutres qui seront toujours dans un biome plus ou moins tropical. Donc ce sera un biome composé à moitié d'eau et à moitié de terre, sachant que les loutres ont besoin d'un espace pour nager, ce qui fait qu'on aura une vue sous-marine. Voilà, je vous en dis pas plus pour le prochain épisode. En tout cas, j'espère que celui-ci vous plaira. N'hésitez pas à liker et à partager, comme vous le savez, ça fait toujours plaisir et ça aide à faire évoluer la chaîne. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne Twitch, puisque maintenant je fais à peu près 2 lives par semaine, que ce soit sur Planet Zoo ou sur Planet Coaster, et peut-être d'autres jeux par la suite. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon serveur Discord si vous souhaitez, vous avez tous les liens de mes réseaux sociaux dans la description de la vidéo. N'hésitez pas aussi, bien évidemment, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rater aucune notification de mes nouvelles vidéos. Et quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut !